De retour, est-ce que ça passe? Ah, bah moi j'ai plus l'oxygène. Ah, Ah, le con, je vais mourir. t'as vu le rideau de sable, les chutes du Niagara vers son sable, c'est ça? Ouais. Ah non, ça change rien, je vois encore des frises. Ouais, mais tu seras quand même mieux. Quoique là, il met plus en codant en surcharge, j'ai juste vu quelques Déjà, frises. oui, il va plus te mettre en codant en surcharge. Si tu vois un coffre rempli, quasi rempli d'aluminium, c'est moi. Ah, ça a l'air d'aller mieux quand même. Ah non, j'ai rien dit. J'ai rien Ouais, dit. non, mais tu t'auras quand même. Enfin, moi là, de ce que je vois sur le retour, oui, t'as des petits lags, mais comparé à tout à l'heure, ça reste que des lags, tu vois. C'est juste qu'il galère à encoder du moment que t'as pas de baisse de frame. Ça va, c'est quand même. Il y a pire, quoi. Ouais, et là, on a encore de la glace. Par contre, on peut passer derrière. Je suis pas allé Oui, en. grotte Excuse-moi. d'osmium. Et là, il y en a plein de l'osmium. Là, je vais me faire plaisir. Bah, on récupère l'osmium. Ah, parce que l'osmium, on va s'en servir pour faire des puces pour épingler. Hein. Je te le Ah dis. ouais, je sais. Et il y a encore de la glace dans cette grotte, c'est cause d'ailleurs. Ça donne où? Et là, ouais. Ça fond à combien? Il m'indique pas à combien ça fond. Bon, j'imagine que ça doit être une plongeon de la grotte. Ouais, Nouveau message message reçu. reçu. Oui, c'est normal, vu que j'ai fait une antenne pour communiquer, on va recevoir des messages. C'est des messages pour l'histoire, donc. Actuellement, merde, je suis très loin. Voilà. Bon, j'ai récupéré 1, 2, 3, 6 osmium. Il n'y en a pas beaucoup, hein, donc. J'ai 10 alus là. C'est pas mal. Enfin, 9 peut-être. Je vais peut-être monter. Allez hop, un C'est de dixième. l'alu, ça, non? Oui. Un onzième. Oh, c'est ch... T'as pas, hein, ça existe pas des détecteurs là pour Pour détecter les ressources. ouais en mode plus ou moins dans quel secteur tu sais que t'auras Alors, j'ai un doute, mais je crois pas que ça existe. Mais je crois qu'en lançant une fusée, tu peux faire des détections, etc. Mais j'ai un doute, hein, je pourrais pas te dire si c'est vrai ou pas. ouais t'inquiète. Dans la grotte là du coup t'as récupéré tout ce que tu voulais ou t'étais. J'ai récupéré l'osmium que je voulais. J'ai récupéré. Mais t'as bien besoin de refaire un tour pour aller en. Peut-être vérifier si j'en ai pas loupé, etc. Ouais. Putain, je vais encore mourir, j'en ai marre. Bon. Ça, c'est cool. L'osmium, ça, c'est vraiment cool, ça, par contre. Et j'ai récupéré de l'aluminium. Pas beaucoup, mais j'en ai récupéré un peu. Mec, Oui. ton avis, j'ai chopé combien d'aluminium? Oh, je sais pas, à l'inventaire. J'en ai 15. Oh, bien. Je retourne les chercher là pour. Parce Remplir que le je suis coffre. mort, tu vois. Ah ouais, Non, parce mais qu'en oui, plus, mais c'était parce le que. nord. Mais oui. Ah ouais. Ici, 63, 63, 63. Ok, ça pousse. Bah, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais construire une fusée pour attirer de l'uranium. Ouais, bah viens. D'abord la puce, parce que ça, je vais en avoir besoin. Moi, je vais retourner chercher mon alu, je vais choper le soufre, on en a besoin. Oh! Oui, on va en avoir besoin. Biolab. Maintenant, on va en avoir besoin. Ok. Donc, aluminium, super alliage. Donc, est-ce que ça serait pas mieux? Comme là, on commence à être avancé. Sauf si on a trop besoin de ressources style aluminium, de en fait tout simplement de faire plein de super alliages pour qu'on passe en T4. On peut déjà commencer à faire en prévoyance des Enfin, je alliages, sais ouais. pas. Si, tu peux déjà en faire en prévoyance quand t'as trop de ressources, ouais. Mais moi là, je parle là pour nous deux, tu vois. Genre, est-ce que nous là on a trop de ressources, pas assez? Parce Ça. que du coup, c'est-à-dire, oui, le T4 c'est important, mais entre guillemets, si t'as besoin de plus de certaines Bah, le ressources. problème, c'est que rien que pour une personne, t'as 6 super alliages.
Donc, 6 ressources de chaque. On peut le faire pour une personne, mais pour deux, ça passera pas, quoi. Ouais, pour l'instant, ça passe pas, on est d'accord. Ouais. Mais on peut ça déjà commencer pas. À faire les super alliages d'avance, petit à petit. Moi, je sais pas, c'est... je propose, tu vois. Non, mais tu fais bien proposer. On peut commencer à faire le super alliage d'avance petit à petit. Hein. Bon. Et est-ce que là, du coup, la comment ça s'appelle ? La fumée verte là qu'on avait qui doit être du soufre. Putain, je suis fou. Est-ce que ça va être dissipé à un certain moment ou pas du tout? Je suis jamais arrivé jusque là, donc je peux pas te dire. Oh, ça coûte pas cher de faire une fusée pour attirer de l'uranium. Le seul truc qui coûte un peu cher, c'est le moteur de fusée. Ouais. Mais sinon, en vrai, ça va encore. J'ai déjà vu pire comme dans le craft. Ouais, bah oui, je pense qu'après, t'as des crafts bien vénères. Le super alliage. Le gars, tu sais, dès qu'il entend super alliage, commence à faire la gueule. Ouais, bah écoute. C'est le jeu. Hein. C'est le jeu, c'est sûr. Moteur de fusée moi, terminé. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, bah j'attends pas, moi. Quand je te dis qu'on okay. lancera une fusée dans ce live, on lancera une fusée dans ce live. Bah vas-y, let's go. Moi, je t'ai dit, hein. J'ai encore, allez, une heure et j'ai encore 50 minutes. Justement, faut qu'on lance la fusée avant. Ah ouais, ça, l'herbe, elle a poussé. Ah ouais, ça pousse, hein. Ça fait son petit bonhomme bon. De chemin, hein. Ne regarde pas dans les coffres actuellement. Bah d'accord, je regarde pas. Moi je vais construire ma fusée. Oui, tu peux construire. Et je t'inviterai à te mettre sur le toit de la base. Je vais choper du fer. Waouh, ça lag. C'est tellement gros l'objet que j'ai généré que ça lag. Merde. Parce que là, il va falloir qu'on se prépare tous les deux. J'ai 10 soufre. Ah ouais, c'est pas mal, ça. Je fais pas les choses à moitié. Et on a un peu beaucoup d'aluminium, là, je crois. Non, je vais prendre du cobalt pour me faire des réserves d'oxygène. Mais pareil. Non. Ouais. Parce que je vais avoir besoin de toi, là. Ouais. Ok. Tu veux que je fasse quoi, moi? Réserve d'oxygène? Ouais, et vérifie que t'as tes barbières en blé aussi. Parce que là, je vais déclencher un événement. On va courir dans tous les sens. Je te le dis. Parce que là, je vais faire tomber des astéroïdes. Et il va falloir aller voir les astéroïdes pour récupérer de l'uranium. Ok. Tu me l'as dit quand t'es prêt. Et j'appuie sur le big red button. Ouais. Merde. Je chope de l'eau et on est parti. Vas-y, quoi, tu. Attends, je remange vite fait. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, je suis full. Regarde un peu ce que j'ai fait. Elle est pas mal, hein. Attention. Je dois me mettre où, moi? Bah, tu vas voir les astéroïdes tomber, faut foncer dessus. Ok. Ça marche. Big red button, go! Ah oui! Ah ouais, c'est une fusée, hein! Non, mais c'est pas une petite fusée en jouet, quoi. Ah bah non, hein, c'est pas une fusée nerf. C'est... Bon, moi, je vais prendre l'oxygène, parce que j'en ai plus beaucoup. Et là, des astéroïdes vont tomber. 3. Ah, ça commence. Et là, bah, il n'y a plus qu'à foncer dessus. Ah ouais, ça éclate même nos objets, quoi. Non, logiquement, non. La map. Ah oui, enfin, oui. Non, pas la... La... Enfin, ça éclate des bouts de rocher et... Ouais. Alors, allez. Oh putain, il y en a pas. Oh, non, je suis. Ah si, il y en a. Oui, uranium. Oh, ça lag. Et comment je peux savoir l'astéroïde, il est tombé où? C'est un coffre, c'est ça, tu m'avais dit, non? De l'astéroïde? Non, c'est des ressources qui sont droppées comme ça. J'ai 2 uranium, moi, de mon côté. Pareil. Mais l'uranium, on peut pas aller en chercher. Si, mais c'est en limité.
Et vu que c'est limité pour l'instant. Ah putain, évidemment, j'en ai là, mais. Bon, elles sont limitées sur la map. Le seul moyen d'en avoir un peu près infini. Ah, c'est... mais il est bloqué sous des rochers. Ouais. Ouais. Oh là, j'en ai plein ici. Putain, mec, j'ai de l'uranium, il est en hauteur. N'oubliez pas que t'as un jetpack. Hein. Oui, non, mais je peux pas monter. Il est sur des rochers tout en haut. Ah ouais, merde. Là, il y en a encore. Vas-y, bouge pas, j'arrive. Ah, moi, je suis quasiment au pod. Hein. Ouais, j'ai vu ça. Uranium. Il y a même le cœur de la météorite. C'est dommage qu'on peut pas le miner. Le cœur de la météorite, c'est vraiment un gros caillou qui est vert. Quoi. Ouais, ouais, je l'ai vu. C'est bien foutu. Et donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ah, 15. Oui. Bah, ça va, on n'a pas tellement couru. Bah, on n'a pas. Oui, bah, moi, je suis à le bout de la map. Hein. Et je suis à le bout du lac, hein, je te rappelle. Et on peut faire la même chose pour l'iridium. En sachant que pour faire le moteur de fusée, il te faut une barre d'iridium. Voilà. Et l'iridium respawn par contre sur la planète. Ouais, donc, ça, ouais, ça, ouais, ça, tu m'avais dit. Mais l'uranium, non, quand on a vidé les deux grottes, il n'y en a plus. Et les deux grottes, on n'en a pas non plus beaucoup. Ouais, bah oui. C'est, t'en avais 3, c'est ça? J'en ai 4 ou 5, je crois. Oh, parfait. Si tu peux venir m'en donner 3. Je sais pas. Parce que comme ça, je pourrais me faire 2 réacteurs nucléaires. Voilà. Je vois des trucs verts passer sur mon écran. Moi, je vais retourner dans la grotte de glace, là. À côté, là. Ça voir s'il y a d'autres choses à choper, du soufre. Oh, bah... Exploration. Exploration, non. J'ai pas assez de place pour prendre toutes les ressources. Ouais. Ah, cobalt. Uranium, on peut poser ça. Mec, ouais. On a un problème. Ouais. La glace à fond. Bah oui. Je trouve qu'elle fond trop vite. Pas possible. Mais bon. Bah, au pire, c'est pas grave. Mec, on a un tsunami qui arrive. Mais non. C'est le gars qui... Je te récupère encore du soufre. Hein. Ouais, vas-y, c'est bon. Regarde dans le dans l'aluminium. Ouais, j'ai vu. J'en ai pris un peu, mais... J'ai vu, j'en ai pris un peu, ouais. Et puis là, le gars, il va revenir. Il y en a plus, comment ça? Non, je te rassure, j'ai pas tout utilisé. Enfin, oui, bah après, pas encore. On en a besoin. Pas encore. Allez, réacteur nucléaire. Et le premier... Quoi, on n'a pas assez d'énergie? Non, c'est en prévoyance. Ah, je préfère le faire d'avance parce que quand on va débloquer oui. Le T2, je vais pouvoir démonter les anciens et reconstruire quasiment tout de suite le nouveau. C'est juste pour ça. Hein. Oh, t'inquiète. Alors, sans. Je te taquine. Hein. Oui, bah. Attends, j'ai l'habitude avec les membres Game & Watch. Ça commence à fondre à 5 UK, quoi. Ah, oui, d'accord. Ah, il pas ici. Alors il me manque un cobalt. D'où on n'a pas assez de cobalt, c'est quoi ce délire encore? Bah écoute, j'arrive avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 soufre. Oh cool. Là, après le réacteur là, que je suis en train de faire, je vais faire le... Que je refasse du cobalt? Ouais, parce que je vais devoir faire le biolab. Et le biolab, il me faut... Est-ce qu'il est le biolab? Il me faut... Oh, 3 super alliages, donc ouais, il va en falloir. Et 2 doses UAM, j'en ai assez au moins. Je te finis tout le cobalt que je trouve en priorité. Et là, en énergie... Oh, on va être bien. On va être plutôt pas mal, là. Voilà. Là en énergie on génère quasiment assez d'énergie juste avec les réacteurs nucléaires. C'est cool. C'est plutôt cool. Il nous manque 20 kW pour générer que avec les réacteurs.
Donc, si je veux, je peux démonter des panneaux solaires. Ouais. Bah, pas tout, mais au moins 4. Bah oui, au moins une petite partie. Ouais, stylé, et ce qui nous... Niagara, par contre. Et ce qui nous donne du cobalt. Ah, elles sont vraiment cool. Hein. Si tu veux du cobalt, bah, faut aller aux chutes du Niagara. Hein. Et c'est quoi, en fait, les... Parce que là, du coup, on a un désert, c'est la fin de la map, là, les chutes du désert. Je crois que tu peux encore aller plus loin. De mémoire, je... Attends, faut que je regarde. Parce que moi, oui, j'ai une carte... parce que j'avais fait des screens du jeu à l'époque. Tu peux encore aller plus loin. Et oh, y a mec encore... Et derrière, il y a deux coffres dorés. Mec. Ouais. Je suis allé dans le nuage de trucs, là. Je vais me te choper un super alliage. Oh, cool. Ça, c'est vraiment cool, ça, par contre. Ça veut dire qu'on commence déjà à avoir le... les ressources pour faire le biolab. En sachant que là, j'ai démonté 4 panneaux solaires. Deux super alliages. Oh bah, je vais... Mec, viens, je suis full, là, et je vais décéder. Zarive. Mec, y a, on a déjà 4 super alliages. Et on a encore une grotte d'osinium. Oh, quoi, sérieux? Oui. Bah, attends, elle est où, la grotte? Dans le nuage. Sérieux? Ouais. Tu vois, tu m'as encore appris un truc. J'y arrive. Par contre, j'aurais dû manger et boire avant de partir. Bon, c'est pas grave. Et je sais pas si c'est moi, mais l'oxygène descend de moins en moins vite. Hein. Je pourrais pas te dire. Alors, derrière les chutes, donc. Ouais, attends, vas-y, de toute façon, moi, là, j'arrive à ta... Ouais, c'est ça, tu continues. Ouais, je te vois, bouge plus. Moi, là, je vais aller me... Putain, on n'a pas de fer, on n'a rien, là. Merde, pour faire une planque. Si, si, attends, là, tu souffles. Là, tu continues. Oh, putain, je vais décéder. Adieu. J'aurais pas le temps. C'est pas grave. Bah, pire, bah... Là, actuellement, là, en gros, tu me laisses le temps, vite fait, de revenir. Ouais. Et je t'emmène. Ouais, mais... Je vais surtout essayer de survivre. Ouais. Adieu. Adieu. Mais bouge plus, Purple, je vais mourir. Eh, mais de toute façon, je peux pas te prendre dans mes bras, ça va rien changer. La merde. Là où ah t'es non, mort. Ça va, je suis à côté. Titane. T'as eu du titane sur toi? Non. Non. Je cherche du titane. Là où t'es à peu près mort, j'ai fait un. Ah ouais, ok, un truc. Un petit habitat. Ouais, bah là, en fait, j'avais oublié que je m'étais allé, j'avais mis ma... Voilà. Il y a j'avais plein d'aluminium. De quoi? Il y a plein d'aluminium, c'est dingue. Oui, on retrouve peut-être des trucs. Là où je suis mort. Ok. Ah vraiment... Tu m'as... Ah non, c'est bon, j'ai du super alliage, pardon. Non, j'ai rien pris. Niveau d'hydratation bas. Non, c'est pas vrai. Parce que là, du coup, dans mon coffre, là, il me reste un soufre. Là, Est-ce que... Du coup, tu me suis? Ouais, je te suis, vas-y. En fait, c'est en tout simplement en allant tout droit et me dire bah tiens, vas-y, je sais pas pourquoi je sens un piège, mais au niveau d'hydratation bah c'est pas grave. En gros, en fait, je me suis mis là dans le début. Ouais, et t'as longé le mur. Et j'ai longé le mur et un peu plus loin. Là, actuellement, on a un super alliage. Tu me l'as dépassé. J'en ai récupéré un aussi. Moi là je suis full, c'est pour ça. Et du coup tu continues le truc et tout, et à un moment là sur la droite tu vas pouvoir aller dans une grotte. Super alliage. J'ai encore un autre super alliage. Qui est là. J'en ai un ici. Ah ouais. Juste derrière toi. Derrière toi. Ah ouais, il y en a plein. Et là, il y a une grotte. Oh. Bonjour. Ça, c'est cool. Je suis full. Putain, la grotte, elle est pas petite. Hein. Ah ouais? Bon, elle est assez grande, t'en as une dizaine, ouais, je pense. Ouais, ça va. Ouais, cool. Mec! Quoi? On a un problème. On a 3 micro-puces.
J'ai encore de la place. Je suis full à mort par contre. Ouais, bah on reviendra. Ou sauf, à la rigueur, je peux plus être full. Si tu veux, je dégage le cobalt. Hein. Mais comme on en a besoin. Ouais, on va en avoir besoin, donc non, c'est bien. Ah, puis en fait, on est vraiment en face-face, quoi. C'est au milieu, ouais, quoi. Mec, il y a encore du super alliage. Bon, bah. Ah, j'ai plus de place, je suis full. Là. Ouais, vas-y, t'inquiète. Et puis en plus, j'ai soif, je vais crever sur le chemin. Oui, bah, t'inquiète. Bah, là, de toute façon, on a la planque. Ouais, il y a large, l'eau à descendre. Mais moi, je trouve que l'oxygène, elle descend plus vite qu'on a le jetpack, j'ai l'impression. Mmh. Hop, on reprend son souffle sur le chemin. Du coup là on a deux. Moi j'ai... du coup là je pense qu'on peut choper au moins 6 ou 8 super alliages au total. Hein. Ah c'est cool. Parce que je là, pense. Le biolab, j'ai tout ce qu'il me faut pour le construire. Parce que moi là j'en ai deux, t'en as chopé combien de. Ah, j'en ai beaucoup. J'en ai 7. Putain, 7. J'en ai revu un ou deux en plus. Bon là il y en a 3 qui vont partir en biolab. Hein. Ouais, mais je veux dire, au moins c'est du super alliage. Enfin, tu te dis, t'es en mode, eh, vas-y, c'est sûr à le crafter. Là, on arrive à en trouver tranquille, tu vois. Et après, quand on va devoir faire les barres de super alliage, mon dieu. Après, Bon, par contre, priorité, la boire, à boire. Parce que là, je vais mourir sinon. Ah oui. Eh, là, vraiment, là, je vais mourir. Si je beurre pas avant que je drop ça. Oh. Ouais, pas passé loin. Je croyais que t'étais mort. Eh ben non. Cobalt. Oh bah voilà. Un petit satellite. Oh, cartographie. Encore un satellite. Et on a le satellite. Alors, je sais pas ce que c'est la différence entre le cartographie et GPS. Donc, peut-être effectivement qu'il y a des trucs pour avoir les infos. Ah ah ah. On a fait la phase au liquide. Bon, ah, faut que je... Putain. Donc ça veut dire que l'on va bientôt avoir un lac. Mec, je suis mort pile devant le truc. Ah, c'est un film. Oui, par contre. Tu veux pas qu'on se fasse un coffre super alliage? Ou un... Un coffre super alliage. Ah, un coffre, on peut mettre tous nos super alliages. Et moi, là, je pars chercher, je pars faire un aller-retour. Ouais, si, on peut faire ça. On est. Ah, on est passé en eau liquide. Non, on est passé en lac. On est en cours de la transformation d'un lac. Ouais. Du lac. Donc, ça veut dire que là, l'eau du va coup, monter. Tu m'as dit qu'on vient de débloquer quoi, là? On a débloqué satellite GPS. Avec... C'est dans quoi, ça? C'est avec la fusée. Oui, mais pour le crafter. Faut aller voir sur le pad de lancement. Ah, ok, je bon, savais pas. On peut faire de la poudre explosive. En fait, tout en haut, t'as tout en haut, tu as un ordinateur. Et dessus. Alors attends. Permet d'afficher les points d'intérêt sur la carte. Donc là, ça c'est le cartographie. Et le GPS, c'est permet la géolocalisation. Sur l'écran de cartographie. Et de toute façon, on peut pas faire de. Est-ce qu'on peut faire une micro-puce boussole? Pas sûr, faut aller voir à l'établi. Parce que. Pas sûr du tout. Parce que je sais pas ce que c'est. Après, c'est ça ton. C'est ça le biolab, ouais. Et dedans, on peut faire du mutagène, de la poudre explosive, de l'engrais, des granulés de bioplastique et des échantillons bactériens. Poudre explosive? Mais attends! On peut s'en servir pour exploser ton truc. Ouais, mais est-ce qu'il faudrait. C'est de la poudre explosive qu'il nous faut ou il faut autre chose? Genre la dynamite, tu vois. Bah, tout à l'heure, il a dit poudre explosive. Donc, c'était poudre explosive? J'en suis quasi sûr. Bah, on peut essayer d'en faire. Attends, je regarde ici au biodôme s'il n'y a pas un truc genre explosif ou. Ouais, on va voir. C'est quoi ça? Larve de papillon? Non. Donc. Bon, on a plus de dirigeur par contre. Ah! On en a un seul. Ouais, il va falloir aller en chercher. C'est pas grave. Poudre
sais que l'osmium, je sais pas trop. Osmium. On commence à en avoir pas mal de l'osmium, c'est plutôt cool ça. Ouais. Mais bien sûr, t'as rien, je peux te mettre ça à quel endroit très cher? Soufre. Ouais. On drop dans les coffres pour l'instant. Je trierai en hors caméra. Hors caméra, de toute façon, je vais refaire la base au propre avec. Ouais, bah tu me diras. Mais au pire, même hors cam, tu me dis quand t'es là et moi je viens en fait. Mmh. Et... Ouais, si ouais. On fait ça en stream. Bon, je ferai peut-être ça sur la fin de live, tu vois. Je ferai peut-être ça sur la fin de live. Ok, j'ai de la poudre explosive, mon ami. Oh, tu te rappelles où est-ce qu'il était le. Ouais, là-bas. On va aller voir. Bah, ça me rappelle, c'est dans quel film ça. Bah, il veut vous voir. Je sais pas. Demain, tu fais quoi? Ah, c'était bienvenu chez Chi. Demain, je suis occupé pour des projets perso. T'es tout le temps occupé, y en a malheureusement, marre. Je vais me plaindre. Ouais. Malheureusement, ouais. Je vais me plaindre à. Je sais pas qui. À Sherwin. Elle va me forcer chez elle pour que je sois disponible. Ah la vache. Mais qu'est-ce que je veux dire? Ouais, au pire, on peut se caler. Lundi en soi, je suis dispo. Lundi soir, je pourrais pas. C'est à partir de mardi que potentiellement je vais l'être. Et ok. Et même lundi dans l'après-midi, tu peux pas? Non, ça peut être mardi. À partir de mardi. Lundi, il faut que je vois ma semaine en fait. À partir de lundi, je vais savoir un peu plus sur ma semaine. Alors, c'était vraiment poudre explosive? Non, avec des explosifs. Ah merde! Donc, ouais, c'est bien ce que je me dis, il faut des dynamites ou je sais pas quoi. Eh, hey, le cobalt, on en a besoin? Ouais, bah là, je vais prendre tout ce que je croise. Hein. Bah, ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. Donc, potentiellement, on va débloquer un explosif, je sais pas quand, mais. Bon, on verra. Hein. Tu laves jusqu'à quelle heure, toi? 17h. 17. Mais du coup, quand tu auras plus de dispo, tu pourras faire des lives plus longs ou c'est que 3 heures à chaque fois? Peut-être pas plus long parce que plus long, je commence à avoir mal à la tête à la fin. Mais plus fréquent, tu vois. Ah, là, j'en fais qu'un par semaine parce que familial. Ouais. Il y a du monde chez moi. Je fais trop de bruit. Oh, des champignons, ça en a pas. Là, pour l'instant, vu que je suis chez moi, chez mes parents, etc., c'est plus compliqué. Je vois. Mais, voilà, je suis en train d'essayer de penser à comment on peut... De toute façon, sur ma semaine, j'en serai plus lundi. Et après, je serai vraiment libre à partir de la semaine prochaine. La semaine prochaine, enfin, la semaine d'après. Moi je sais que actuellement là je bosse le 9 et le 10, 11 et 14. Mais après si genre le 10... Mourir. On va mourir quasi au même endroit. Eh ben non. Mais ça va, on est mort à côté quoi. Ouais. Oh, cette image de je le vois se poser à terre et plus loin je le vois revenir en arrière. J'ai eu un peu d'iridium, par contre on a eu des champignons. Il va falloir que je fasse pousser ça. Ouais. Est-ce que l'iridium je vais rechercher dans la grotte? Ouais, parce que je vais peut-être devoir refaire des chauffages. Déjà il faut que je fasse des végétubes parce qu'on en a plus assez. Les graines. Ah, les graines de champignons, on n'en avait pas. Hein. C'est le seul exemplaire qu'on a. Donc. Uranium, intéressant ça. Magnésium. Silicium. Fer. Cobalt. Ah, ça y est, on a trop de cobalt. Ouais, c'est pas plus mal hein. Ouais, c'est pas plus mal ça. Du coup là on a fait un récupérateur, on a fait le pot de feu affichage, le panneau, le biodôme, l'extracteur de minerais. Et du coup là on a que le biolab de dispo. Selenium, 3.
Ok, je vais retourner voir, tu sais, la glace qu'il y avait en haut là. Ça marche. Bah moi je vais faire une serre en attendant. Ok. Comme ça on va pouvoir Et faire pousser des plantes. peut-être aussi. Ah tiens, on avait oublié trois uraniums. Uranium? Ouais, avec les météorites, je viens d'en voir spawn trois Oh! là. Bon. Toujours l'uranium, c'est le genre de ressource qui va être chiant à farmer après. Donc, Ouais, bah. après, peut-être qu'on aura d'autres techniques pour farmer, ça je sais pas, mais je sais qu'au bout d'un moment, tu trouves que c'est juste chiant. On a une. Oh, les salles, elles sont grandes comme ça. Ah, ça c'est bien. Tu sais, j'ai fait l'habitat, mais en grand, le grand module. Il n'y a pas, Ok, tu sais, les piliers au milieu. ouais. Ça, c'est intéressant, ça. Bah, je crois Bah qu'en ouais. fait, au lieu de faire une serre, je vais refaire une nouvelle base et je vais commencer à transférer tout. Je crois qu'on va faire ça. Bah vas-y, let's go, hein, j'arrive. Putain, elle était où la glace? Ah, la glace, elle a fondu. Mais oui. La Celle glace. tout en haut. Ah, la glace, ouais. Ah, même là-haut? Bah ouais. Oh, intéressant, ça. Mais attends, mais c'est bizarre. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que C'est celle de peut-être pas là-haut, les il n'y mêmes a plus de valeurs. ressources. Normal, parce qu'en fait, c'est la même grotte là où j'ai été tout à l'heure. Mais tout à l'heure, elle En n'avait pas fait, fondu. les grottes. Non, mais en fait, la grotte, elle a deux accès. Bah non, c'est pas. Bah non, on n'a pas deux accès, c'est pas possible. Si, Parce que si, là, il y a des grottes, c'est. j'ai un gros mur de glace devant moi. Ouais. Bizarre. À moins que j'avais réussi à passer, là. Je sais plus. Oh, ouais, Bah. l'espace, on gagne. Bah déjà ouais. Est-ce que là du coup tu veux que je te ramène du fer ou des trucs ou... Ouais, fer titane. Parce que là, le Ouais. super alliage, je suis en train de te dire, il est en train de Bah le partir dans la fer nouvelle base. Hein. il est... Et bah let's go. Non mais autant nous faire une nouvelle base. Là j'arrive avec une, deux, trois. J'arrive avec plein... avec deux omnium, trois uranium et tout le reste rempli en fer. Et il me Ouais. reste deux emplacements. Ça marche parce que là, Et tu fer, m'as on dit que t'avais va. besoin de quoi, Titane? Titane, fer. Parce que ça, c'est ce qui sert à vraiment à faire la base Ok, en tant que bah je telle. te Hein. chope du Titane. Parce que là, je suis en train de taper dans les coffres, mais un truc de fou, quoi. Ouais, bah là je suis full, bah j'arrive. On a encore de la glace. C'est Ah, il y a du. de l'eau qui commence à arriver. Ouais. C'est normal, ça. Ah ouais. Et ça va monter, hein. Ça va pas monter qu'un peu en plus. Hein. Là, ça me rappelle. C'est pour ça même que je t'avais dit, on va se mettre là. Parce que. Bah ouais, parce que... Ouais, mais une fois, en fait, tu retrouves ta base dans l'eau, c'est mort, en fait. Obligé de faire... Tu perds tout. Bah non, là, en fait, ta base, tu peux toujours l'utiliser sous l'eau, quoi. Ok. Ah, j'ai mal positionné la base. Est-ce que j'avais encore beaucoup de marge? Ouais. Encore beaucoup de marge. Où ça? Merde, ça m'a... Ah oui, pardon. Parce que faut vraiment que je calcule ça. Parce que flemme de faire des étages, quoi. Ouais, je comprends. Flemme de devoir faire des étages. Ça va être chiant en fait. Donc autant faire du plat et bien calculer son coût. Voilà. Ok, moi là du coup je peux. Est-ce que je peux aller choper là-bas du super alliage de l'autre côté et en même temps je récupère de l'iridium au retour? Ouais. Ouais, Où je pourquoi t'ai pas. mis tout le fer que j'avais. Mais en fait, là, le délire qu'il faudrait qu'on fasse, c'est qu'on rechoppe toutes les bases, on a tous les coffres et qu'on fasse que des allers-retours pour rassembler toutes nos ressources, quoi. Ouais. En sachant que là, je suis en train de faire la nouvelle base, j'ai quasiment terminé la structure, il n'y aura plus que l'intérieur à faire. Ok. Mais du coup, question con, je crois que tu m'as peut-être déjà répondu. Par exemple, sur les. Par exemple, là, les. Comment ça s'appelle? Les armoires qu'on a. Ouais. Si tu peux les déplacer, elles peuvent être toujours remplies, on est d'accord? Non, il faudra les vider Ouais, à c'est la ça, faut main. les vider. Mais ça, à la rigueur, tu vois, je le fais
Là, quand tu seras parti, je le ferai. Tu vois. Oh, bon, on peut. Je récupère un peu d'aluminium et de soufre en même temps. Comme ça, en plus, ça permettra de trier tous les coffres. Ouais, bah. Ça permettra. Ah, du coup, je récupère un peu d'aluminium et. Bon, ne sois pas déçu, hein, mais il n'y a plus de. Comment ça s'appelle? Il n'y a plus de super alliage. Ça me. Je suis pas déçu, je trouve ça logique. Par contre, il va falloir que je déplace des trucs parce que j'ai pas la place de le faire là où j'avais prévu de le faire. Je vais devoir la déplacer plus loin. Merde! Hein? Mais attends. Oui, c'est trop bas ça, non? Ouais, mais attends, on a plus le nuage là du coup. Ouais, il y a des météorites qui tombent là. Attends, je me suis réouvert un. Mec, y a un problème, je suis perdu. Ah, j'étais juste pas au. Mec, je viens de voir qu'on avait un autre endroit encore. Bon, en fait, j'étais juste pas au bon endroit. Ah, merde, toujours pas assez. Ouais, on a. Mec, tu sais, là, derrière la grotte d'Iridium. Ouais. Bah, en fait, mec, je crois que le super alliage, il respawn. Non. Mec, j'en ai déjà 4. Ça, par contre, ça va être broken, ça, par contre. Enfin, j'ai l'impression qu'il respawn. Hein. Après, peut-être que c'est des trucs qui spawnent de temps en temps. T5. Ça c'est pas mal ça ce qu'on vient d'avoir là. Bah ouais. Ah, par contre, va cibler ça par contre. Ouais, je crois que je suis un peu près bien placé. Bon, je le fais en hauteur la base, mais c'est normal. Vas-y, hein, je te fais confiance mon petit. Comme ça, je serais pas embêté avec le sol pour pouvoir grandir. Par contre, tu vois, il va falloir que j'améliore ça, le look esthétique, et etc. Parce que là, ça va pas être beau, mais c'est pas grave. Après, l'esthétisme, on s'en fout un peu. Ouais, mais j'améliorerai ça en caméra. Ouais. Ça, vraiment, il faudra juste farmer du fer. Ça va aller. Et encore, ouais, vraiment un fer, quoi, donc. C'est pas non plus le. Par contre, elle va être beaucoup plus grande, hein. Je l'ai. Mais quand je dis beaucoup plus grande, c'est vraiment beaucoup plus grande. Bah, tant mieux. T'as besoin à peu près combien de super alliages? Pour faire la structure? Bah, là, t'en as besoin à peu près de combien, tout ça? Bah, là, la structure, si je l'agrandis pas, j'en ai pas besoin de plus. Non, mais pour le reste, tu vois, je sais pas, je te dis une petite douzaine, tu vois. Comment ça, une douzaine? Me dis pas que t'as récupéré 12 super alliages. Ah, peut-être. Bon, bah, je vais agrandir un petit peu la base. Maintenant, mais... Oh la vache. Là, tu me dis, ouais, j'ai un peu de super alliages. Genre combien? Beaucoup. C'est... Bon bah je le niveau d'oxygène bas, frère. Après, effectivement, je me demande si le jetpack consomme pas de l'oxygène pour fonctionner. Ce qui serait logique, d'ailleurs. Bon, effectivement, je vais ragrandir la base d'un cran. Là, elle va vraiment être super grande. D'accord, tu vas voir le bloc. Il va dire, ah ouais, d'accord. Ouais, je vois un peu sur le live, là. Là, si tu peux revenir avec super alliage, je te dirais pas non. J'ai pas encore fini en fait. Non. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, il a trouvé le filon, il a trouvé le code de triche quoi. Bah en fait, là, actuellement, là en fait, je t'explique que je me suis fait un habitat exprès à côté si jamais je devais mourir. Ah ouais. Là, actuellement, là en fait, là, je t'explique que je cherche quand même mon coffre. Bah, tu sais quoi, je crois que je vais venir t'aider. Hein. Parce que je crois que t'as l'air surchargé, je crois. Non, en soi, ça va. Hein. C'est juste que je vois que dalle. Parce et que là, t'es dans le désert avec les chutes.
Ouais, je suis aux chutes. Ah ouais, il y a du... Attends, je vois une lueur verte là dans le noir. J'ai vu une lueur verte. Ah. Artum. Voilà. Vas-y, grimpe. Alors, elle est où la lueur verte que j'ai vue? Évidemment, je la vois plus. Uranium. Oh, il n'y en a pas qu'un en plus. Wow, il y en a plein. Là-bas aussi, il y en a. Ah ouais, c'est la lumière que j'ai pas réussi à choper. Non, j'ai réussi à le choper. Enfin, il y aura bien. Toi, t'as trouvé le code de triche pour le super alliage. Moi, c'est pour grimper au mur. Bah tant mieux. Hein. Merci, jetpack. Ouais, de fou. Bah, c'est le même délire que le jetpack dans Slime Rancher, par exemple. Ouais, je vois. Slime Rancher, tu pouvais aller n'importe où dès que t'avais le jetpack. Bah, c'est le même principe. En fait, je me sers des collisions pour faire croire à mon personnage qu'en fait il y a du sol en dessous. Donc le jetpack me fait aller plus haut. Donc en fait, en cognant contre un mur, je monte. Pourquoi il y a des ressources Bon, volantes? tu veux jouer au juste prix? Oh, attention. Vas-y. 20. Mec, j'ai trouvé un coffre doré. Ah, t'as trouvé le coffre de doré de cette zone. Ouais, par contre, je suis full. Bah, j'arrive à l'habitat, tu sais, que j'avais construit. Ouais. Moi, j'en ai. Ouais, bah, moi, là, je vais mourir. J'ai mon habitat qui est en face. Il est où Bon, du coup, l'habitat? tu continues tout droit. Je pourrais pas le louper, c'est ça? Ah, bah, si. Ouais, il est en plein milieu. Enfin, t'avances un petit peu et. Où est-ce qu'il est? Tu l'as fait dans la chute? Non, 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 pas dans la chute. Ah, je le vois. Ah là, c'est bon, je te vois. Elle est bien cachée, hein. Et les deux dedans, t'as fait des coffres, c'est ça? Non, j'ai rien fait encore. D'accord. Mais c'est pour l'oxygène. Attends, je me reprends déjà l'oxygène. Là, il y a un coffre. Et donc, t'as Oui, trouvé un c'est mon coffre doré. coffre. Ouais, mon coffre doré. Et du coup, en super alliage, j'en ai 13. Ah, Enfin, 14 avec le coffre c'est doré trop bien. là. C'est trop bien que Je ça. sais pas si ça respawn, mais Bah, tout c'est à quand l'heure, même on a déjà bizarre, fait une on razzia. l'aurait vu quoi. Bah ouais. Tout à l'heure, on a déjà fait une razzia. Putain, il y a encore des trucs. Le Le coffre coffre doré, il doré. est où? Je te laisse voir l'intérieur, je pense que tu vas kiffer. Ah ouais, à ce point-là? Ouais. Ah ouais, la planque quoi. Je sais pas, je me dis, mais attends. Wow! Ah ouais, les moteurs de fusée, barre d'iridium, d'uranium, osmium, supérieur. Oh, champignons, faut que je prenne. En fait, je prends tout quoi. De toute façon, même le coffre, on le démonte parce que super alliage. Il est là, mon super alliage, Ah, excuse-moi. bravo! Allez. Bon, bah là, je suis full. Par contre, tu vois, le truc que je comprends pas, c'est que j'ai pas retrouvé l'entrée de la grotte dans le truc. Attends 2 secondes. J'essaie de prendre le maximum de ressources avec moi. Oui. Ouais. Tu parlais à moi ou à quelqu'un Je d'autre? sais pas. Non, je parlais à personne. Ok. Ouais, du coup, dans le nuage de fumée, j'ai pas retrouvé l'entrée de la grotte. Pour repartir? Et non, l'entrée de la grotte qu'on avait là pour. Ah ouais, dans les chutes. Et d'ailleurs, attends-moi ici, attends-moi là, à ton habitacle. Ouais. J'arrive. Je vais te montrer un truc que j'ai découvert. Et que du coup, qui me dit découvert, dit d'aller explorer. Ouais, je fais laguer mon viag. Ouais, vous voulez laguer? J'arrive. Vive! Oh, hydratation bas. Ouais, et moi aussi! Tu veux, je te montre un truc qu'on a peut-être déjà découvert. Ouais. Que j'ai trouvé. Ouais, là, ça donne vers le gros vaisseau, Ouais. là. Ah, du coup, ça m'a choqué. Je me dis, attends, encore une nouvelle zone. Puis après, je me suis rappelé du vaisseau. Non, en fait, cette zone-là, on peut y aller dès le début du jeu. Hein. Ouais, non, mais ouais. Du coup, bah, ça nous évite de faire. Même si on fait un grand tour, tu vois, mais. Je sais pas si Ouais, c'est c'est quand worth. même plus court par notre grotte. Hein. Ouais, en fait, ouais.
Ouais, en fait, c'est plus court. C'est plus court. Hein. Bon, ouais, du coup, 14 super alliages quand même, ça va. Hein. Bah, c'est pas mal, là, on va pouvoir agrandir encore le bloc. Allons voir. Tu veux pas que là, on se pose et qu'on essaye de... What the fuck? Mec, on a plus notre base. Monsieur. Ah non, elle a juste changé un peu, c'est tout. Ah non, là derrière, c'est le futur. C'est l'avenir derrière. Ah ouais, ok. Je te laisse même aller voir la place qu'il y a dedans, c'est gigantesque. Bah écoute. Je suis en train de me dire, est-ce que Pourquoi dans la c'était base pas... c'est vert? Quoi? Bah mais c'est peut-être le truc au-dessus, moi je le vois pas en vert mais... Tu vois mon live? Ouais. Mec, t'as oublié de faire une porte, je crois. Ah, possible, ouais. C'est possible. Bah écoute, j'ai même pas encore terminé de faire la structure, donc c'est bien possible que j'ai pas fait de porte encore. Ouais. Je vais poser Du coup, ça. super alliage, je peux te mettre ça où? Là, il y a un coffre avec beaucoup de place. Ok. Barre 1, d'uranium 2, pour faire un nouveau réacteur. 4, 5, 6. Et je vais même pouvoir faire deux fusées pour aller. Ah oui, dommage, je devais aller chercher de l'iridium, hein. Ok, alors aluminium, bah ça je vais le poser vu que j'en ai plus tant besoin que ça. Fer. 1, 2, 3. 3 fer, 3 titanium, 2 alliages. Oh waouh, le coffre rempli d'alliages! Waouh! Tu trouves? Ah, waouh! Mais est-ce que là, du coup, c'est pas le bon moment de se faire du T4 C'est le moment ou de se du faire du T5 T4 si tu veux. ou Si du tu veux. T5? Enfin, oui, enfin. Bah, le max quoi! Ouais, voilà. Je sais pas, je me dis Ah, le moment que. serait bien choisi, effectivement. Bah, pas forcément faire T5. Parce que là, au total, le T4, c'est 3 plus 3, donc ça nous fait 6, ça nous fait 12. Super alliage, autant utiliser que 6, c'est-à-dire passer en T4, tous les deux. Et le T5, on verra ça plus tard, tu vois. Le T5, je sais pas combien ça coûte. C'est 3 alliages et un titane. Et l'autre, c'est bah, c'est 3 alliages aussi. C'est 3 alliages et un titane aussi. Mais, du coup, parce que là, ça veut dire que pour nous deux. Sur les 14 super alliages, On on peut en déjà va se faire. utiliser les 12. Donc, autant qu'on passe juste en T4, Ouais, déjà bah ça va ouais. améliorer. Et le T5, on verra plus tard, tu vois. Ouais. Bah tu sais quoi, je vais même te laisser le faire. Bah, toi, vas-y, hein, fais-le. Bah maman, je J'ai vais pas faire la l'impression porte que ça là. s'est amélioré. Putain, j'ai pas l'impression que ça s'est amélioré C'est plus que ça, combien en fait. l'unité que tu as là? En total, j'en ai 1, 2, 3, 4, Évidemment, je vais 8, mal placer 12. mon échelle. Mon échelle extérieure est évidemment mal placée. Voilà! Si j'en ai Oh la 28. place! Wow, le labyrinthe, on dirait les backrooms. Par contre, toi, c'est vert. Moi c'est vert, je sais pas pourquoi. Ça fait stylé. Bah, je trouve que. Regarde les Je trouve pas. backrooms. Bah, je trouve pas. Enfin, en fait, je sais pas, j'ai l'impression qu'on a pas plus de place. Ah si si, on en a énormément plus. Notre base est plus petite que deux unités. Là, on en a 6, 7. Bah là du coup on peut dédier un truc, un Ah machin, un truc à... ouais, clairement, ouais. Du coup toi si t'as envie de faire le T4, vas-y. Hein. Comme ça on est tous les deux pareils en termes de coffre T'as et déjà fait les améliorations là? Ouais j'ai déjà fait mon T4. Mec, on peut passer en réserve d'oxygène 3. Attends. Ah oui Comment mais. ça? Ah On non l'a mais oui non déjà? mais en fait je l'ai déjà en 3. Bah ouais. Ah, on l'a déjà en 3. Checkpack 1, sac à dos T4. Ah, mais on peut faire les micro-puces boussole. Je viens de Et voir. c'est quoi le craft? C'est ça, silicium, magnésium et deux aluminiums. C'est que dalle en fait. Si on place, on a gagné une ligne. Ah, ok, On a ouais. gagné une ligne en Mais espace. c'est clairement que dalle pour ta fusée. 370 en oxygène. Oh là là, ça fait plaisir. Ah, pour ma fusée, c'est que dalle. Hein. T'es où déjà ton truc de fusée? Là-bas.
derrière le biolab. Ah oui, à la fusée. Le biolab, je vais le déplacer. À la rigueur, je vais le coller à la future nouvelle base. Ouais. C'est à la fusée, c'est ça le... Ça, ouais. Tu montes tout en haut, il y a un écran. Par contre, tu vas faire quoi, là? Je vais regarder. Ah, d'accord. Actuellement, pour l'info... pour... C'est ce que je voulais savoir. Pour cartographie. Le satellite GPS 2, on a besoin d'un moteur de fusée, deux micropuces, trois super alliages. Deux micropuces? Oui, deux boussoles. Et on peut largement les faire quand tu regardes le... Ah, bah si tu te sens de le faire, vas-y. Et pour la cartographie, on a besoin de moteurs de fusée, d'une micropuce boussole, deux omniums et deux et une barre de super alliage. Mais la barre de super alliage, on peut pas la faire encore. Barre de super alliage, c'est 9 super alliages et je crois pas non qu'on puisse le faire pour l'instant. J'ai ajouté le biolab à la nouvelle base. Ça, okay. on l'a tout de suite. Ah, il a l'envers, par contre, c'est pas beau à l'envers. À l'envers, il est pas beau. Ah, merde. Actuellement, il nous reste 4 super alliages. Du coup, je pars sur les micro-puces. Silicium, magnésium, alu. Voilà, il est dans le bon sens. Ah oui, c'est bien mieux comme ça. Et donc, on a maintenant le biolab intégré. L'autre laboratoire, je vais le mettre aussi. Parce que, merde. Ah ouais, mais attends, le moteur de... Putain, oui, c'est vrai, faut peut-être faire aussi un moteur de fusée, quand même. On en a deux. Ah, on en a déjà en avance, ouais. On en a déjà dans les coffres, parce que tu en as trouvé, je crois. Ou... Oui, c'est ça, ouais. Donc, bon, maintenant... Hop. Je vais mettre l'autre laboratoire. Attends, je suis Dory, je sais plus qu'est-ce qui me manquait pour le... C'est pour ça que j'ai fait le truc à épingler, comme ça j'ai sur mon haut de l'écran. Ah, mais il l'est fait là? Bah moi je l'ai fait. C'est de l'osmium, c'est pour ça qu'on pouvait pas le faire avant. Ah. 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 Ah, à l'aide. À l'aide. Non, mais je peux me débloquer, mais à l'aide. C'est trop drôle. Allez, bouge. Du coup, oui. C'est ah oui, c'est trois super alliages. Est-ce que, question, la fusée, moi je la connais pas. Est-ce que c'est utile d'utiliser trois super alliages ou pas pour faire le GPS T2? Je n'ai jamais fait, donc j'aimerais bien te dire oui. Est-ce que ça vaut le coup de tenter le super alliage? Ah, on le trouvera. Vas-y, tente. Hein. Okay. Pourquoi je peux pas le lier? Bah, laisse-moi. Ah, là il est lié. Voilà. J'ai mis les deux laboratoires sur une nouvelle base, comme ça. Ah oui, d'accord, oui, c'est une petite base que tu nous as fait. Ah non, petite, s'il te plaît. Et là, du coup, bon, j'ai juste à faire le craft et la fusée à sens, c'est ça? Et après, t'as un bouton rouge sur le côté. Ouais. Putain, merde. Ah merde, j'ai oublié de prendre un super alliage. Voilà, il est dans le bon sens. T'as un deux fusées en un live. Oh, tu sais, il va y avoir des lives où tu vas en lancer beaucoup plus que ça. Ouais, je pense. Allez, je vais le regarder depuis mon biolab. Non, c'est cool, ça, la base, elle va être gigantesque, ça va être pas mal, ça. Ça va bien aider. Du coup, là, je fais quoi? Je vais sur l'écran, tu vas sur l'écran, tu craftes. Waouh. Oh, elle est bonne, la fusée. Et là, j'appuie sur le bouton rouge. Ouais, big red button. Et du coup, c'est j'ai pris le GPS T2. Vas-y. Je sais pas si ça va être utile. Il me dit permet un meilleur géolocalisation sur l'écran de cartographie. On l'a pas encore fait cet écran-là. Ah merde. Et il faut une micro-puce. Ah merde, je suis con, je pensais qu'on l'avait fait. Ah non, mais c'est pas grave, on peut le faire. Après, peut-être que vu que t'as la puce avec toi, peut-être que tu peux avoir la map sur toi. Ça, j'en sais rien. Je sais pas. Bon, ça c'est ok. Question, comment on fait déjà le... l'épinglon de plomb. Ok, oui, le truc épinglage de plomb. Okay. Et il faut un osmium, c'est pour ça qu'on pouvait pas le faire. Ah. Et du coup, l'écran, on fait comment déjà pour le faire? C'est où l'écran? C'est... Ah,
micro-puce boussole, fer, silicium. Bah oui, mais c'est que dalle. Si t'as la micro-puce, je peux le faire, j'ai déjà les ressources pour le reste. Bah la micro-puce, je vais la faire. De toute façon, tous les écrans ils vont bouger alors. Magnésium. Silicium. On a coûté cher la puce boussole. Non, mais la puce boussole. Deux alus, un silicium, un magnésium. Allez, hop. Et cartographie. Faut un bureau. Bureau. C'est deux fer. On va le mettre. Mais attends, je le fais. Vas-y. Fais-le devant les chauffages. Ouais. Tu m'as dit que c'était quoi, que deux fer? Ouais, deux fer. Okay. T'as qu'à le faire là devant les chauffages. Je sais pas où t'es. Ah, parfait. Je le mets bien au centre. Ouais. Attention. Et. Wow! Ah ouais! Et là, vu qu'on. Ah ouais, on peut dézoomer vu qu'on est au T2. D'accord. Plus tu vas avoir un T élevé, plus tu vas pouvoir dézoomer. D'accord. Tu vois partie de la bah maintenant, tu vois la map que moi j'avais screen. Parce que oui, je l'avais screen moi la map. Et on est bien d'accord que du coup, derrière les la map a fait un tour. Enfin, derrière la. Oui, ok, oui, je vois en fait la limite de la map. Tu vois les dunes Bah, je vois des gros rochers surtout. Ouais, ouais, aussi. Et il y a une zone verte, logiquement, non? Ah non, elle l'affiche pas. Ah, c'est parce que ça, c'est la fin du jeu. Tu le verras pas tout de suite. Parce que moi, je sais ce qui se passe en fin du jeu. Parce que j'ai été spoil par un connard. Oh. Avertissement nourriture. Ah. Ouais, tu vois un peu tous les vaisseaux qu'on a, quoi. Les... Ouais, et tu sais, maintenant, tu sais à peu près où on peut aller, quoi. Ok, good. L'eau, ça monte. Ah oui, ça monte. Ouais. Le pod, il mais est en dans fait, la flotte. J'ai l'impression que la map, elle est pas grande. Elle est assez grande, hein, quand même. Mais oui, mais en fait, c'est l'impression que ça donne. Et, ouais. Bah, moi, je suis content. J'aurais quand même bien avancé aujourd'hui. C'est pas toi, hein, mais... Ouais. On aura lancé deux fusées, commencé la nouvelle base. Est-ce que là, pour les 10-15 dernières minutes qui me restent, on va dire... Je t'écoute. Tu veux que je t'aide à déplacer des trucs, à marcher? Bah là, je vais faire des coffres, donc... En fait, il faudrait commencer, tu sais, à construire l'établi, etc. de l'autre côté. Je bois de l'eau, je mange... Oui, la salle des coffres sera au centre, au fond, parce que, voilà, je l'ai décidé. Comme tu veux. Du coup, de l'autre côté, là, du coup, je vais de l'autre côté et je fais... Mais on peut pas le récupérer pour... Si, tu peux le recycler, mais fais gaffe de pas perdre des ressources, quoi. Ouais. Là, j'ai déjà posé pas mal de coffres. Attends. Ah oui, c'est établi tes deux fer silicium. Il y a les deux établis à garder. Mec, par contre, attends, il y a des météorites qui tombent. Il y a un problème. Quoi? On a plus de fer. Comment ça? Je te promets, on a plus de fer. Ah. Il nous en reste vraiment pas du tout, du tout. Attends, je sais où on peut en avoir. La foreuse. Oui. Là, il y a un peu de fer dans la foreuse. J'ai pris le reste des ressources. Dans la foreuse derrière, il y a des ressources qui sont. Oui, je n'avais pas pensé à la foreuse. J'en ferai d'autres des foreuses comme ça. Ça générera quand même pas mal de ressources. Pour l'instant. Du coup, bam. Et c'était. Titanium. Hop. Silicium. Les écrans, je vais tout de suite commencer à les transférer. Oh, bon, après, je te fais confiance. Hein. Tu gères ta life. Tu connais le jeu. L'établi, je peux te le mettre où? Attends, parce que je vais déjà poser les bureaux. Là, je veux poser les bureaux, en fait, ici. Attends, je vais appeler vite fait mon ami, là, que je dois faire le taxi. Et je suis à toi, ok? Vas-y. J'arrive. Vas-y. Est-ce
qu'on peut faire des vitres à la soumoutique? C'est une bonne question. Vitres. Oui, faire cobalt. Ouais, moi du coup je vais voir te laisser ici. C'est pas grave. Mon ami il arrive du coup. Je reviens dans allez, une grosse demi-heure, trois quarts d'heure je pense. Donc trois quarts d'heure, pas sûr que je sois encore là. Hein. Ouais, je dis, bah, au pire, je dis 17h, mais honnêtement, parfois je m'arrête avant. Hein. Yes. Bon allez, je te fais des bisous. Sur ce, merci d'être venu. Avec plaisir. Et puis, tu es évidemment le bienvenu si tu veux refaire du Planet Crafter. Mais hein. Moi, c'est bon, je suis tombé amoureux de ton jeu, là. t'es dispo, moi, tu me dis, tu me drops un MP et je suis là. Ouais, bah, tu me dis, je te dis quoi d'ici lundi, parce que je pourrais pas ouais, savoir. Voilà, oui, c'est ça, normal. Je pourrais pas savoir d'ici là. Vas-y, pas de problème. Bon, allez, bisous. À la prochaine. Ciao. Voilà, là on a des écrans, là on a des infos, là on va avoir des infos. Donc on a la cartographie désormais, grâce à Martin. Ça c'est plus cool, et en plus les balises s'affichent dessus. Ah, on peut les placer comme ça. Donc c'est vraiment cool, parce qu'on va pouvoir maintenant projeter où est-ce que l'on va. Ça c'est vraiment sympa. J'aimerais bien pouvoir continuer à dézoomer plus, donc satellite T3, mais pour ça il faut des puces pour débloquer les satellites. Ça, ça va être sûrement dans le prochain live. Énergie, on est bon. Les plans, ça se débloque. On a dorénavant le biolab qui est arrivé ici. Il permettra de faire des crafts facilement. Et le... Pourquoi c'est là, ça? Voilà. Et le fameux biodôme qui est aussi arrivé ici. Et de, comme ça, on va pouvoir tout débloquer. Je vais commencer à tout déplacer. Le problème, c'est qu'avec ce que j'ai fait là, ça va pas être pratique. Donc les végétules, je pourrais pas les mettre ici. Par contre, tout ce qui va être de l'ordre des productions nourriture, je vais pouvoir tout aligner là, ça va être pas mal. Là, déjà, on a fait ça. La salle des coffres ici, on va commencer à la remplir. Hein. Hop, faire. Cobalt. Silicium. Ouais, et on va commencer bah, ramener un peu les choses. Hein, mettre les unités de craft, etc. Bon, on va commencer à essayer de faire un truc un peu très clean. Histoire que cette base ressemble plus à quelque chose que... Ah, rien du tout. Voilà. Déjà les unités de craft, ensuite. Ça, silicium, je vais pouvoir prendre. Voilà. On commence à tout ranger. Aluminium. Hop. Titanium. Et on va rajouter un petit coffre pour le... On va rajouter un coffre, j'ai dit. Voilà. Et le coffre, c'est pour le magnésium. On va refaire, alors parce que là, faut vraiment que je leur passe avant de faire n'importe quoi. Établi, fer, silicium. Fer, silicium. On va refaire l'établi T2. On va le faire là. Aluminium.
Magnium. Magnésium. Silicium. On va le faire au centre, lui. Voilà. Oh, on commence à avoir un petit truc. Comme ça, en plus, je vais avoir mon... J'ai l'établi, le petit établi. L'établi de tir supérieur. Oh, on va commencer à avoir un truc plutôt cool. Donc, on continue. Les productions de nourriture, on va tout de suite les déplacer. On profite que tout soit poussé pour le replanter au propre. Où est-ce qu'il est? Il est là. Chercher un petit peu de fer. 1, 2, 3. On va se refaire un petit casier. On va faire ici le casier. On va faire bouffe. Non. Nourriture. Hop. On va même faire nourriture. Hop. Comme ça, ici ça pousse. On est bon. Ça, la nourriture, c'est bon. On va par contre transférer ce qui est graines. On va mettre ça là. Il y a des coffres, c'était vraiment des ressources à bordel quoi. Je m'occupe de ce bordel. Je ne peux pas tout prendre par contre. Vu que ce coffre là j'ai essayé de vider, au moins ça me fait un fer en plus. Ça tape. Voilà. Toujours du fer en plus. On va être bien là, on voit. Je dirais pas que ce sera la base définitive, mais on s'en approche. On approche de la base définitive. Seed. Donc là, c'est la nourriture, donc les rations. On va mettre une bouteille d'oxygène aussi. Voilà. Le fer. On va aller le ranger pour l'instant. En fait, j'aurais même pas assez de place. C'est vraiment cool, on commence à avoir plein de graines. De toute façon, on va en avoir besoin d'énormément. Il faut que je me refasse un truc pour planter des champignons parce que de toute façon, j'en aurai besoin. Et pour ça, c'est pas tout de suite. Hein. Par contre, ici, je vais faire un nouveau casier. Je vais le faire là-bas. Et là-bas, il y aura les plantes qu'on met dans les végétubes.
Plus alors renforcement, c'est juste parfait. Je peux pas le. Ah ouais, je peux pas faire mieux que ça. C'est pas. Plante. Voilà, comme ça, je vais pouvoir transférer ça aussi. Ce sera toujours un casier de moins de l'autre côté. Puis aussi, il va falloir que je le transfère plus tard. Hop. Ouais. De toute façon, faut que je refasse un autre aller-retour. Mais j'ai encore de la nourriture qui est poussée là-bas. Déjà, ça c'est bon. Ça c'est bon. Et. Il n'y a plus rien là-dedans. Qu'est-ce que tu me racontes? Voilà. Ok, ça se vide. Ça se vide lentement, mais ça se vide. Ça a été rangé n'importe comment. Mais c'est pas grave, parce que de toute façon... Intéressant ça. Je crois que je vais pouvoir me faire une nouvelle graine. Enfin une nouvelle... Ah bah oui. Bah donc non. Je vais voir ça après. Je vais voir ça après. Donc déjà nourriture. Hop. Les graines. On commence à en avoir pas mal. Super. Des allers-retours à vide, prendre des ressources. Par contre, je vais transférer d'abord tout de suite l'uranium. Voilà. De toute façon, je pourrais pas faire mieux. Voilà. Ici, on va pouvoir faire la petite barre. Bon, j'ai pas assez pour faire la suivante. Uranium. Bref. On sent de l'autre côté, il y aura aussi des stockages, je le sens. Silicium, magnésium, hop, et on continue. Là, je vais me refaire un nouveau coffre. Et puis, tium. C'était à peu près logique. De l'autre côté, on va refaire des coffres, hein, puis c'est tout. Osmium. Ça, l'osmium, j'en ai pas mal.
C'est bon, je vais faire le recycleur là au milieu. Ça peut servir. Ça commence à vraiment laguer. Si le prochain live, il faut vraiment que j'ai avancé parce que c'est plus possible ça. Ouais, je vais l'enlever parce que ça commence à... Du transfert, hein, je sais pas non plus le gameplay de tous les temps, mais on avance, on avance. Aluminium, hop, on commence à arriver bientôt au bout de les transferts de coffre. Là, j'ai transféré tout ce qu'il nous faut. Ce base ne sert plus techniquement. Tac, tac. La glace, honnêtement, je sens que je vais tout transformer en eau et je vais pas me casser la tête hein, en fait. Hein. Le problème du souffle, hein, c'est que. Il va falloir que je refasse un coffre arrivé là-bas. Hop. Et on commence à démonter.
super gaffe parce que tout n'a pas été enlevé. Tac 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 tac, le casier. Ça, je le stocke à l'extérieur parce que de toute façon, honnêtement, c'est juste voué à disparaître. C'est juste voué à disparaître, à le transformer en eau et ce sera bien. Donc, on va les démonter les raies. Ah non. On va démonter au moins ça. Parce que ça. Ça se déplace. On va le mettre là-bas. Je sais pas où, mais on va le mettre là-bas. Voilà. C'est que ça va commencer à devenir intéressant tout ça. Et ça, je sais ce que je vais déjà faire. Il n'y a plus rien à l'intérieur. Waouh. Ça veut dire qu'il n'y a plus que ça à démonter. Bah, voilà, et là j'ai ma zone extérieure pour mes récupérer. Ok, cool. Comme ça. Je vais voir. Et merde. On est bon, la base est déplacée. Donc j'ai fait une petite porte ici pour accéder à la zone des réacteurs nucléaires. En sachant que le T2 arrive, donc potentiellement ça va pas durer, que ça va changer. J'ai commencé à faire une légère petite salle des coffres ici, en sachant que là il y a un recycleur qui doit arriver. Le recycleur, on va refaire ça tout de suite.
Silicium, magnésium. Hop. Ah, je pensais que c'était quand même plus gros que ça. Et donc si je mets ça là-dedans. Oh, oh bien. Bon ça j'imagine que ça me redonne pas toutes les routes. Quoi que. Attends. C'est un réservoir d'oxygène T1. Ah ça me donne. Ça me redonne toutes les ressources. Oh. Ah ouais, le recyclage paroxysme. Ok. Cool. Comme ça, on a le recycleur. Si on veut recycler certaines choses, on peut. D'ailleurs, je me demande si ça, vu que techniquement, on l'a crafté. Oui. Ça, ça permet de... Ça permet de faire du rangement. Voilà. Donc maintenant qu'on a le recycleur, on va plus être embêté avec tous les problèmes de tout ce qui va être de l'ordre de ressources qu'on a crafté qu'on ne peut pas utiliser. Au moins ça c'est réglé. Je vais me charger de déplacer ça, de le rapprocher de la base. Parce que honnêtement, là ça commence à être un peu loin. Ah oui, alors. Hop, on récupère tout. Ah, on va le rapprocher. Voilà. Là, on est bien. Donc ça c'est ok, on a tout débloqué, là, ça augmente, lentement, mais ça augmente, et on est à 3,47 kg en biomasse. Qu'est-ce qu'on débloque en biomasse pour l'instant? On a débloqué un truc ou pas du tout? Ouais, on n'a rien débloqué. On a des générateurs à algues, mais pour ça j'aimerais bien attendre au moins la fin du lac. Là on a 14%, donc ça a dû monter. On a dû monter, oui, ça a bien monté même. Je pourrais faire de la génération d'algues. Le problème, c'est que le truc va pas remonter en même temps que le niveau, donc il va rester sous l'eau. Et ça, ça m'intéresse pas. Les végétubes, je vais les laisser là pour l'instant. Ça va tout récupérer. Et on a une base. Hein. Maintenant, on a une base qui est à peu près qui est fonctionnelle. Hein. Plus de place. On va se faire un coffre, le coffre surplus. Surplus. Ouais. Bien, plutôt. Oh. Oh. Voilà. Comme ça, je sais qu'ici, il y a des ressources. Et ben là, on commence à être bien. On a un coin stockage craft. Et même déconstruction, donc c'est plutôt cool. On a un coin chauffage, on a de quoi faire pousser de la nourriture. En parlant de faire pousser de la nourriture, je devais faire ça. Alors, aluminium, fer, bon, on va en faire 3, comme ça j'aurai de quoi produire d'avance. Parce que je sais pas s'il y a encore beaucoup de... j'ai déjà de l'eau, pas besoin de prendre la glace. Ouais. Plutôt que de prendre un... Plutôt que de prendre un truc en surplus, je préfère...
Et à la rigueur, je peux pousser des trucs, même si pour l'instant, il n'y a pas l'utilité d'en faire pousser autant. Voilà. Nocturne. On va faire pousser deux. Là, j'en ai qu'un. Ah non, j'en ai deux. Mais par contre, on va faire pousser plus d'aubergines. Champignons. Champignons. Et voilà. Comme ça, j'ai ma nourriture qui se produit. Je suis bien. Tac, tac, lit, j'en ai pas besoin. Un, deux, trois, quatre, cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq. Et on va. Voilà, les zones où il y a pour l'instant rien. Comme ça, ça agrandit un peu la pièce, enfin la base, et en plus on peut voir un peu l'extérieur. J'ai essayé de mettre à peu près tous les angles. Là, de toute façon, il y a tous les angles. J'aurais bien aimé le plafond aussi, mais... Ah, titane cobalt, attends, je vais voir ce que ça donne. Titane cobalt. Je voudrais voir ce que ça donne. On va se mettre là. Ouais. Je vais essayer de faire toute une zone. Même si je fais pas toute la base. Au moins une zone. Bref. Je sais pas. En fait, il aurait fallu qu'il y ait plus de hauteur. Mais c'est pas grave, parce qu'au moins on voit un peu le ciel, etc. C'est bien. Non, c'est bien. Voilà. Et pour l'instant. Pour l'instant, on est bien. J'avais débloqué. On a débloqué le T5. J'en profiter pour le faire. Pour l'instant, on a des ressources. Alors, autant en profiter. Et, voilà. Là, ça a grandi. Voilà, on a déjà beaucoup de place. Je me souviens quand... Wow, le tout début. Voilà, là, on a beaucoup de place. Ça va bien, bien, bien aider. Il est quelle heure? Il est 32. Je regarde un peu ce que je peux faire. Ça. Ouais. Poudre explosive. Il faut que je me souvienne comment on en fait. C'est soufre, soufre. Deux soufre, un iridium. On va en refaire. Voilà, on a notre poudre et maintenant il va me falloir. On détruit les objets, donc là faut faire quand même assez gaffe à ce qu'on met dedans parce que ça sera perdu. De toute façon, on a deux fois ça. Voilà. Non. On va pas faire ça. Et là, si j'appuie. Ah ouais, vraiment, détruit, détruit. Là, on pourra pas fermer. Bah voilà, on est bien. Un broyeur, bon, ouais, c'est risqué parce que faut pas qu'il mette dedans, mais pourquoi pas, hein, ça va aller. Je lui fais confiance. On a fait des réacteurs nucléaires où j'ai encore de l'uranium en ouais, j'ai encore deux barres. Ouais. Je vais le faire comme ça, on sera large. 1, 2.1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3.
Et voilà. Non, par contre, cette limite de placer les deux ici. Parce que moi, j'aimerais bien être complètement dépendant du nucléaire. Ah, oh, ça passe. Allez, hop. Être complètement dépendant du nucléaire, ça m'inspire. Énergie. Consommation 500, 700. Ouais, clairement, on est large niveau. Et pas nous seuls, on pourra être viré. C'est des ressources qui vont revenir dans les coffres comme ça. Voilà, c'est des ressources qui vont pouvoir venir dans les coffres. Hop. Magnésium, aluminium, silicium, cobalt, fer. Et voilà, comme ça, en plus, je nettoie un peu la zone, il n'y a plus les penseurs. Ça va pouvoir me permettre d'avoir un peu plus de place. Bon, je produis un peu moins, mais bon, c'est pas... On est large pour l'instant. Je ferai peut-être hors caméra un petit saut vers la caverne du radium la plus proche pour aller récolter tout l'uranium qu'il y a dedans. Je vais peut-être faire un petit saut. Là, il est quelle heure? Ça dépend quelle heure il est. 37. Faut que je me souvienne où elle est cette caverne. Elle est pas à côté. Non, non, elle est trop loin, je pourrais pas y aller. Même en passant là. Ah ouais, avec assez d'oxygène, je peux le faire. Avec assez d'oxygène. Bon, allez, on va le tenter. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, il y a tout un petit chemin à connaître pour y arriver. Par contre, là, je prends ma respiration parce que à partir de là, j'aurai plus de d'habitat. C'est parti. Là, il faut que j'avance tout droit. C'est là. En mémoire, ça doit être là. Il va y avoir un passage, voilà, très fin, juste pour moi passer. Poser un habitat ici.
Ah, mais il m'avait dit qu'il avait trouvé une grotte d'uranium. C'est vrai. Au final, j'ai même pas besoin de ça, en fait. Hop, au final je peux tout prendre et je vais mettre ça. Je n'y vois absolument rien. Ah voilà. Il y a un coffre, on va en profiter pour le récupérer. Déjà fait. Ça, j'aurais pas mal d'uranium d'avance. Aluminium. J'aurais pas mal d'uranium déjà d'avance. Fatigué. Hein. Uranium. Voilà. Fer. Aluminium. Et on va mettre dehors dans la glace l'oxygène. Parce que... Bon, cool. J'ai de l'uranium en avance. Ce qui est plutôt cool parce que au moins je sais que j'aurai de l'avance si l'électricité vient à tomber. Si l'électricité vient à tomber, au moins je sais que j'ai de l'avance. Foreuse. Foreuse niveau plan. Là, ils sont là les plans. Je vais pas débloquer. Ah si, je vais débloquer une T4. Pas tout de suite, mais... Attends, de lac. Là, on débloquera pas tout de suite. Mais ouais, il faudrait que je fasse un générateur. Le générateur d'algues, mais le problème c'est qu'il va être en profondeur. Il va falloir qu'après j'aille le chercher. Chiant. Extrait des minerais plus rares du sol. Ah! On n'y est pas tout de suite, hein, mais. Oh, que. Ouais, non, il n'y a pas encore. L'impression, ça monte pas assez vite. En fait, faudrait que je fasse encore plus de Forest T3. Ouais, Forest T3, on peut. Mais en fait, c'est l'oxygène qu'on monte plus. Sale sur moi, ça rajoute de l'oxygène? Ah ouais, 108 par seconde.
Oh, je vais me faire masse de ce mois en fait. On va transformer toute la glace en eau. En fait, je vais me faire masse de semoir, comme ça, non seulement ça génère de la biomasse, mais en plus ça me génère de l'oxygène et pas qu'un peu. Encore. Voilà. Magnésium. Plante de lima ici. Non, ici. Non, toujours pas. Ici. Ah, là, je vais faire masse de semoir. Ça va me générer un max d'oxygène. Voilà, j'ai fait un masse de semoir. Par contre, ouais, j'ai plus d'énergie. Ça, c'était prévisible. Évidemment, je peux en faire deux. Ce ne sera pas du luxe. Ce ne sera pas du luxe. On va en avoir deux de plus. Hop. Recteur. Par contre, c'est super alliage que là, ça va commencer à coûter cher. Voilà, et là il va me falloir faire agrandir la plateforme derrière. Oh merde. Ah, on a relancé. Ah, voilà. Et en plus, j'en ai construit un en surplus. Donc là, on devrait être plutôt pas mal. Oui, on a de la marge. Et là, devant, par contre, ça va commencer à semer. Et là, l'oxygène devrait bien remonter. Ouais, bon. Ouais, que je le monte un peu, que je rajoute de... Peut-être que j'en ai que le double de ce que je viens de mettre. Parce que là, attends, j'ai mis combien de semoirs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais. J'ai le même nombre de végétules que de semoirs. Sachant que les végétules, on est une bonne multiplicateur. Donc là, il faut que je rajoute au moins 5. Si je voudrais vraiment être intéressant. Voilà. Non, en vrai, attends. Je veux que me casser la tête. Bonjour. Bonjour. T'as vu, je suis là. Hein. J'ai fait rapide. Hein. Ah ouais, mais il est quelle heure? Oh, il va être 49. Il est 50 là. Ah, t'as le temps encore de venir jouer 2 minutes avec moi pour vous faire un tour de la base. Et ben, c'était ce que je voulais. Alors, je te le dis, ça a pas mal changé. Oui, bah, c'est quoi là le truc de cobalt là que t'as là sur le live que t'es en train de faire? C'est un recycleur. Tu te souviens que je t'ai dit que on pouvait recycler?
Ouais. Et bah, tu mets l'item déjà construit, genre le réservoir d'oxygène que t'as fait. Tu mets ton réservoir d'oxygène, t'appuies sur le bouton Ouais. rouge et tu as les Tu peux ressources me brutes. renvoyer un vide, s'il te plaît? Bien sûr, je peux. Inviter des amis. Et voilà. Merci. Ah non, mais là, il y a. Et en gros, par exemple, un labo, enfin, ou le métalab, ou la fusée, ou un truc que tu as crafté, tu le mets dans le recycleur et. C'est ça. What? Attends. Mec, le mot de Ouais. base, il a disparu. Oui. Bon, attends. J'arrive, je vais juste fermer mes Velux. Vas-y, va faire de Et tes je. Velux. Comme ça, j'ai le temps de te faire un dernier tour. J'allais arrêter en plus. Oui, bonjour, Donc, enchanté. ce que je disais, c'est que j'allais bientôt arrêter. J'ai reposé des semoirs parce que je me suis aperçu que les semoirs produisaient plus d'oxygène que les végétubes. Donc, Bah ouais. rentabilité. Mais parce que les saumoirs, tu. Ah, t'en as reposé, ok. Ouais, j'en ai refait. Il n'y a plus de glace, hein, par contre. Hein. Ah bah, attends. On est à 12. Attends, on n'a pas d'eau là. Ah si! L'ai Ok. déplacé. Comme ça, on récupère bien le gaz quand les fusées décollent. Ah, météorite. Ouais. Et là, du coup, en trop. Ok. Attends, du coup, là, ok, Ça, là, on c'est a les mis ça. trophées. Vas-y, fais-moi un tour de la base. Alors, première zone. Zone où on fait jardin. Où on fait pousser Ok. un peu tout et n'importe quoi. Des aubergines, champignons, etc. Le coffre à nourriture avec les rations, bouteilles Ok. d'oxygène, etc. Seed, les graines. Les graines. Derrière, dans le biodôme, on a les plantes. Tu sais, l'Irma, etc. Ouais. Putain, mais dans le biodôme, on a rien débloqué aujourd'hui, en Bah, fait. c'est C'est pour ça que vraiment j'ai la posé merde. des semoirs, parce que ça va m'aider. Ok. Ensuite, Ouais, je ici, continue. on a la zone des chauffages. Je les ai Ouais, déplacés ouais. pour l'instant, sans plus. Hein. Mais du coup, t'as. Ok. Ah oui, t'as Première tout salle des redéplacé. coffres, avec les deux établis. Ok. Donc On a tous les coffres débloqué sont d'autres nommés. trucs ou pas? Non, pas tant que ça. Rien de. Non, rien de bien spécial. Ok, Deuxième bah salle des rien. coffres avec le Deuxième. recycleur. Ok. En sachant dans la première salle des coffres, pour faire un alliage, tu prends un de chacun de ces coffres. Putain, t'as fait ça tellement bien. Le super alliage, j'en ai fait, mais C'est quoi ça? Ah, le ça c'est ton broyeur. broyeur. Alors, si tu mets quelque chose dedans, c'est détruit, détruit. Oui, on est d'accord, un broyeur Donc, quoi. ouais, on va éviter de l'utiliser. Il est là, mais bon, voilà. Ici, pour l'instant, il n'y a rien. Puis le bio laboratoire que tu connais. Et t'as parmi l'écran cartographe et tout? Si, là, j'ai regroupé tous les écrans ici. On n'avait pas plusieurs écrans, nous. Bah, si, j'ai tout remis là. Mais je crois qu'on en avait d'autres. On avait l'écran terraformation, Ouais, le l'écran premier. progression, ça c'est les deux Ok. grands. On avait le plan, là avec le cadenas. On Ok. avait le niveau d'énergie, il est là au centre. Et l'écran cartographe, là. Ah ouais, ok. Stylé. Et là, du coup, tu devais partir sur quoi, du coup, là? Et là derrière, ici, dans la deuxième salle des coffres. J'ai fait une sortie à l'extérieur pour les réacteurs nucléaires. J'ai un petit peu augmenté les Ah, réacteurs, tu on veux va dire. juste faire ça? Waouh, ça va. Bah, j'en ai rajouté 5, hein, je crois. Consommation 647 consommée. Waouh, ça va, ce Et truc. on n'est que sur le nucléaire, il n'y a plus que ça. Bah, c'est cool, ça. Là, Voilà. on a notre foreuse. Ouais. Qui est full. Je Qu'est-ce vais en qu'il y a profiter. d'autre que j'ai fait? Bon, pas grand-chose. Hein. Là, j'étais en train de me dire que soit j'arrêtais, soit je faisais des semoirs en plus, histoire de Bah rebooster un peu l'oxygène. mais tu veux pas que là du coup tu sais si t'as le temps
Ça dépend, parce que j'ai plus beaucoup de temps. En gros, l'idée c'est que. Je peux laisser tourner mon jeu si tu veux après le live pour que tu joues un peu. Bah, c'était soit ça, oui. Soit autrement. Merde. Soit autrement, l'idée c'est que on prenne. On y a l'inventaire totalement vide. On retrouve toutes nos bases qu'on avait mis avec des coffres. Pour refaire les transferts Et on fait tous les transferts. Ouais. En sachant. Ah si, j'ai fait un truc par contre pendant que t'étais pas là. Par contre. Tu te souviens, tu m'as dit que t'avais découvert une grotte d'uranium? Oui, et. Bah, je l'ai vidé. Mais attends, là on a de l'iridium, mais. Ah oui, si, l'uranium il est là. Okay. Bah, les réacteurs, je les ai fait avec l'uranium que j'ai trouvé là-bas. J'ai tout vidé. Ok. Non, je sais pas, enfin, ça dépend si toi t'as encore le temps, ça dépend. Bah, là il est moins 5 et là je vais devoir y aller. C'est pour ça. Okay. Après, je peux laisser mon jeu tourner si tu te sens de faire ça. Hein. Bah moi, ouais, continuer à récolter des ressources et tout, ouais. Je peux laisser le jeu tourner. Bah, je vais me renseigner s'il n'y a pas moyen d'avoir des serveurs dédiés. De jeu là, je crois pas, hein. J'ai regardé déjà. Ouais, mais bon. Renseigne-toi aussi de ton côté. Parce que moi, il y a des petits bricolages, ça peut se faire, je pense. Oui, bah oui, je pense aussi. Voilà, donc. Et la flotte, ah oui, la flotte c'est dehors, oui. C'est le lac, il a bien avancé, je crois, de mémoire. Ouais, on voit plus la capsule. Ouais. Est-ce que c'est pas mon jeu qui a trop de qualité? Ce qui est possible aussi. Hein. Ouais. On va baisser la qualité de mon jeu, peut-être que ça aidera. Bah moi là ouais, ce que j'ai envie de me faire, si ça te va, tu me laisses une grosse demi-heure. Ah bah je peux te laisser une grosse demi-heure. De toute façon là tu sais, quand je vais partir 20 minutes et après je vais revenir et puis je vais travailler. Donc, je peux laisser mon jeu tourner. Moi ça te dérange pas et que je commence à faire des transferts ou je retourne, je sais pas, refouiller d'autres trucs, ramener vraiment toutes les ressources pour que tout soit centralisé ici quoi. Ouais ça marche. Juste un truc avant que de partir, c'est que tu vois la plante dans la salle jardin, il y a les Attends. Trucs de production de nourriture. Ouais. Ouais, je suis là. Alors parce que c'est important, faut le faire d'avance. Quand tu mets ta souris sur la machine, ça marque ouais. Vitesse de croissance, vitesse de croissance. Croissance. Quand il arrive à 100%, il faut que tu mettes ta souris sur le légume, il va te dire qu'est-ce que c'est. Et il faut que tu fasses un clic pour le récolter. Ok. Et ça, faut le faire fréquemment parce que on n'a pas tant que ça de stock de nourriture. Ah oui, on a parce que ça vaut un peu moins que les rations en fait. Ouais, ouais. Sauf certains trucs, les haricots, ça vaut plus. Mais par exemple, les aubergines, ça vaut moins, les courges aussi. Donc. Moi là, du coup, je. Si un coup de temps en temps, tu peux penser à faire ça. Histoire de faire des stocks. Ouais, bah vas-y, bouteille d'oxygène, cobalt. Je pars avec une bouteille d'oxygène et. En sachant que dehors, il y a deux coffres, deux casiers. C'est quand il n'y a plus de place dans les coffres à l'intérieur, tu le mets dehors. Okay. Tu le mets dehors, et on sait qu'il y a des ressources là-bas comme ça. Est-ce que sur la map qu'on a là, quand tu la regardes, tu peux. Savoir à quel endroit t'as mis tes capsules ou pas. Alors, je sais qu'il y a il y a une fusée pour montrer les points d'intérêt, mais je sais pas ce que ça vaut. Ouais. Je vais aller voir ce que c'est le craft. Parce que... Les points d'intérêt, je crois que c'est de la barre de super alliage. Ah, ouais, mais ça, on peut pas encore le faire, je crois. Ça me dit rien. Regarde, hein, mais... Ouais, c'est ça, c'est barre super alliage et... Non, on peut pas le faire. On doit pouvoir le débloquer par contre. Ah si, ok, ouais, j'arrive à voir, faut vraiment zoomer. 750 MTI. Ouais, on en est très très loin. On en est très très loin, on n'est pas près de la faire. Ok. On est vraiment. D'ivoire, question con. Vas-y, écoute. Quand tu regardes sur la map, là du coup, on a le lac avec notre capsule. Quand tu descends au sud. T'as le gros vaisseau et tu peux aller encore de l'autre côté. Quand tu dis de l'autre côté, c'est là où est-ce que t'es. Où est-ce que t'as ta souris là sur le sud du vaisseau. Là, tu peux aller encore explorer ici. Ah ouais. Regarde là, tout où tu peux aller. Encore, là c'est la bordure de map là. Ouais, on l'a pas encore exploré. Ah non, toute cette zone là, tu peux encore y aller. Là, il y a un truc. Hein. Logiquement, il y a un truc à faire là.
Ouais. Là, c'est Bah. les chutes. Là, Ouais. c'est les fameuses chutes. Et tu vois, derrière, tu peux encore y aller. D'accord. Mais va grimper ça avec le jetpack. Et d'ailleurs, si tu zoomes, on voit ton habitat. Oui, du Et là, coup, oui, d'ailleurs, du on coup, j'ai voit juste à l'entrée de la regarder grotte. un peu partout Et là, on voit l'entrée de la les grotte. habitats. Après, je sais qu'il y a des habitats où j'ai rien mis en. Ah, là, il y en a un. Là, il y en a un. Oh, mec, tu sais, à droite, quand tu es au centre. Ouais, c'est ça. Continue sur la droite, toi. Là, il Là, y en a la un. grande zone Rouge. rouge. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a de l'eau qui commence à arriver. Donc, il faut peut-être aller faire des vaisseaux. Mais on ne l'a pas encore fait. Y a des vaisseaux dans cette zone? Bah, moi, j'ai un vaisseau quand je zoome. Attends. Ah ouais, il y a la porte des étoiles, ouais. Oui, je crois que c'est peut-être. Ouais. Ah, effectivement, ça elle se voit pas. Ça vaut pas le coup. Moi, si, moi, quand je dézoome en T2, ça voit, mais toi, c'est peut-être la qualité du jeu, je sais pas. Ah, j'ai baissé la qualité du jeu là. Mais du Là coup, ça aussi, vaut pas le coup il y que a des j'y trucs à aille. faire. Hein. Ouais, mais là, l'eau, du coup, a commencé à arriver. Attends, je vais te dire ça s'il va y avoir vraiment de l'eau là. Parce que moi, je peux te le dire. Ouais, il y aura de l'eau. Ouais. Ouais, C'est donc pas c'est. toute la zone qui sera couverte, mais la porte des étoiles, elle sera sous l'eau. Bah, donc c'est mieux qu'on y aille, que j'y aille maintenant, tout chercher, quoi. Ouais. Hésite pas à faire un habitat devant. Comme Ouais, d'habitude, tu sors tout bah et après. je vais prendre les crafts pour faire titane. Voilà, pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup. Mais t'as l'œil, effectivement, il va y avoir de l'eau. Ouais, je sais pas, je vois le truc, je me dis, attends, c'est chelou. Effectivement. Mais vraiment, la map elle va devenir super belle. Du coup, habitat et habitat. Ouais, bah du coup, je vais commencer à y aller. Ça marche. Bah, moi, je Ah vais. merde, il fait nuit là. Alors, je sais pas qu'on peut faire un lit, mais est-ce que ça change quelque chose? Faire tissu, tissu. Oh, et en plus, c'est du tissu, quoi. Faire. 1, 2, 3. Attends. Je vais faire un lit, on va voir si ça change quelque chose. Ouais. Est-ce que c'est à la Minecraft où il faut que tout le monde dorme ou j'en sais rien? Ah, merde! Non, c'est moi, non? Non, c'est moi qui ai cliqué. On peut rien faire. C'est purement décoratif. Ah, il fait nuit, je vais attendre le jour. Ça marche. Et Et ben moi je vais vous laisser. Prochain live. Attention. Dans la semaine, il y aura sûrement un live de ma part. Mais ça, je ne pourrai pas le savoir avant lundi. De toute façon, dans le planning, ce sera indiqué si je le sais avant. Vendredi, je ne serai pas dispo. Mais par contre, vous aurez de mes nouvelles vendredi. Pour la série Goldorak qui arrive, c'est vendredi que ça commence. Ça arrive vendredi à 17h. Alors là, à 17h, vous n'entendrez plus parler de moi. Je vais lancer Crunchyroll, la télé 4K, et je vais me régaler. Par contre, samedi, je ne ferai pas de live, parce que je l'aurais fait dans la semaine. Enfin, on verra. On verra, mais ça m'étonnerait. Par contre, si je suis invité sur un live, potentiellement je serai. Merci Martin d'avoir été là Eh avec ben, moi. avec plaisir. Et puis, à une prochaine fois, hein. À une prochaine. Et sur ce, ciao tout le monde! Jamais tu n'abandonneras. Dans ton vaisseau, tu te bats pour nous. Dans l'univers, la légende ne parle que de toi. Goldorak, au grand cœur, chevalier d'assurance.